Hey, salut mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très très bien. Enfin, premier trucker vlog à la job. Là, ça va vraiment mal parce que j'ai pas mes lunettes de soleil. Un beau west. J'ai pas mes lunettes de soleil, puis c'est vraiment pas pratique. En fait, j'ai plus de lunettes de soleil. Ils sont toutes pétées. Là, je m'en vais de la Domtar. Je m'en vais chez Fast Freight à Montréal. Comme hier. Hier, justement, je fais exactement la même journée qu'hier. Sauf que hier, j'étais avec mon chum de gars, on y allait ensemble. Puis on se suivait, c'était vraiment le fun, là, je suis tout seul. J'ai un camion 18 vitesses. C'est pas mon camion encore, mon camion est au garage. Je sais pas quand je vais l'avoir, j'ai vraiment hâte. Je voulais pas montrer encore, mais ça c'est un International Pro Star 2013. Moteur Max Force. On va se le dire, les Max Force, c'est pas les moteurs les plus trippants, non? Ma compagnie, c'est majoritairement des Cummins. Les Cummins, c'est des moteurs qui sonnent bien et sont plus performants un peu. Max Force, ils le sont moins. Moi, mon camion, je trouve que ça va être un Max Force aussi. Là, il a fallu que je zigonne un peu à Domtar parce qu'il me manquait un garde-boue. Mon garde-boue de trailer droit arrière, il était manquant. Donc, il a fallu que j'appelle le garage pour leur signaler. Mais c'est pas un trailer de la compagnie. C'est un trailer qui appartient à la compagnie que je vais Fast Freight, que je vais porter à Montréal. Mais je vais leur signaler. Rendu là-bas, je vais leur signaler le manque de leur garde-boue, mais tu sais, c'est pas le problème de notre compagnie. Mais c'est mon problème à moi de leur avertir qu'il y a une défectuosité mineure sur leur trailer. Ah oui, puis je vous en ai pas parlé. En fait, moi, je fais du transport de conteneurs. Pour ceux qui ne savent pas, des conteneurs, c'est des espèces de boîtes qui s'en vont sur des trains. Des affaires dans le même. Je transporte plusieurs affaires, du papier ou des piteux, Ça peut être un peu n'importe quoi. Là. Oh wow, un beau West. Ça, c'est mes trucks préférés. Je fais principalement du Montréal à date, mais là, vu que je suis nouveau, c'est sûr que j'ai moins de choix. C'est du Montréal que je fais. C'est ma première semaine tout seul. Avant, j'étais en stage, mais là, c'est ma première semaine tout seul. Ça a très bien été à date. J'ai même eu un road rage. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Là. Ça se peut que ça se reproduise. Un road rage. Pas exagéré, là, mais. Un cave là. En fait, je vous explique. Parce que, tu sais, moi, je suis limité à 105. Puis des fois, sur l'autoroute, il y a des petits taouins qui roulent 102 à peu près, des chars, mettons. Fait que là, moi, je vais pas rester en arrière. J'ai des pauses. Mais ça me prend quand même un petit certain temps à les dépasser, au moins une minute, deux minutes. Fait que là, il y avait un flux en arrière. Là, une fois que je me suis retassé dans la voie de droite, il m'a coupé. Il m'a freiné ça à 80 km/h, puis il restait à 80 en avant de moi pour me bloquer pendant genre 2 minutes. En tout cas, un vrai FDP, là, mais bon. Ouais, donc en fait, ces deux plans de vue-là, c'est vraiment juste. Ben, pas celui-là, mais celui-là, c'est en attendant. Comme aujourd'hui, je me suis dit, ça me tente de faire une vidéo parce que je suis habitué à ce que je fais, puis tout. Fait que, ben, je suis à l'aise. Vu que j'ai fait la même affaire hier, puis tout, je suis à l'aise. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, fait que là c'est mon caméscope qui filme, il y a une espèce de trou ici, donc je peux le mettre là. Mais c'est vraiment provisoire, c'est pas encore mon camion, mais quand je vais avoir mon camion, je vais acheter mon matériel, je vais me mettre des beaux plans, puis je vais m'acheter une petite caméra pour me filmer, puis vraiment pour que ça soit bien, que je sois bien dans mon truck, là, c'est parce que c'est pas mon truck, là, j'ai vraiment hâte de l'avoir mon truck. Ben ouais, là je suis chargé, fait que j'ai de la misère un peu à monter les côtes. Puis en même temps, ils vendent beaucoup quand même. Tout à l'heure, je vais revenir vide. Puis un camion vide, c'est vraiment dangereux. Ben, c'est pas vraiment dangereux, mais je veux dire, c'est beaucoup plus dangereux qu'un camion chargé quand il y a du vent et tout. Ou même quand c'est glissant le sol. Un camion chargé, ça tient plus la route. Tandis qu'un camion vide, comme je vais avoir tout à l'heure, avec rien dans le trailer, il faut faire plus attention. Là, il y a le Morford juste à côté. Je sais pas si on le voit bien en caméra. Là.
Là, je suis peut-être un peu à contre-jour là, avec la luminosité qu'il y a là, là en ce moment. Oups. Là, il est 11h20. Il me reste peut-être 1h45. Ça va dépendre du trafic de Montréal, mais je risque d'arriver chez le client à peu près dans 1h, peut-être 2h ou plus tard. Puis moi, en fait, j'espère être revenu avant le souper. C'est sûr que je vais être revenu avant le souper, là, mais c'est parce que c'est la fête de ma grand-mère. On va manger de la raclette. J'aimerais vraiment ça être présent. Là, mon repas d'aujourd'hui, c'était... À date, j'ai mangé une banane. Puis il me reste, je pense, un biscuit au chocolat. Puis, qu'est-ce que j'ai amené aussi? Une pomme. C'est ça, mon lunch d'aujourd'hui. Un gros lunch. Parce que... Anyway, m'a bourré en face à soir, fait que je vais me dépêcher à finir ma journée pour pouvoir aller fêter à soir. Ouais, ben là, je viens de vous passer un méchant bout. Tout à l'heure, on était à côté du Morpher, puis là, on est rendu quasiment au Pont Mercier. Ouais, c'est terrible comment ils plantent, là. Ça sent pas à l'aise, là. Tu sais, déjà, ça me faisait peur, puis j'étais plus chargé, là. Tout à l'heure, je vais être vide. En tout cas, j'espère que le vent va se calmer un petit peu au cours de l'après-midi. Parce que j'aime pas ça. C'est pas trippant, mettons, conduire comme ça avec du vent de main. Bon, il va-tu avoir un tata qui va me laisser passer? Sûrement pas. Évidemment, ils ont des gros pick-up qui se dépêchent de nous dépasser. Après, je vais prendre la 20 ouest. Après, je prends la sortie 58. Ben là, ici, au moins, il n'y a pas de vent. Ou presque. Fait que c'est déjà pas mal moins énervant. Ah, on a une belle vue ici. Là, on voit pas la totale, là, mais il y a le fleuve. C'est vraiment beau. Oh wow, une belle Dodge Caravan 96-2000, ben une belle, faut pas exagérer. Une vieille Dodge Caravan, c'est un meilleur mot ça. Là ma caméra est pas fixée, fait qu'à chaque bois ça se tasse. Là en plus tout à l'heure, vu que je vais être vide avec le vent pis tout, je vais être obligé de rouler encore plus lentement. Là, faut que je roule super lentement, fait que ça va me prendre du temps à venir. Ça va me prendre genre 2h30, 3h. On va être long en maudit. J'espère que je vais finir avant 5h au moins. Je pense que oui, si ça va bien. Si je pogne pas le trafic tout à l'heure, ça risque d'aller bien. Moi, en fait, Montréal, pour vrai, je déteste pas ça. Quand il n'y a pas de trafic, c'est le fun. Ben, pas le fun, là, mais c'est correct. Moi, ça va bien tant que je sais où est-ce que je vais. Moi, c'est quand je sais, comme là, en ce moment, je sais parfaitement où est-ce que je m'en vais. Donc, je suis pas stressé par en tout. Moi, c'est quand je suis pas sûr de la place ou de la sortie que je vais prendre, là, ça me stresse Montréal. Mais sinon, je trouve une ville comme une autre. C'est sûr, quand il y a du trafic, des bouchons, puis tout, c'est de la merde, là. Mais comme en ce moment, c'est fluide, puis tout, là, ça me dérange pas. J'aime pas mal mieux être ici que être dans les champs, là-bas, à 10, là, pendant genre 30 km, là, puis que mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Là, on est sur l'échangeur de Turcot, je pense, je suis pas sûr. Je pense qu'on est sur l'échangeur de Turcot. Hey, toi, là, dégage. On va avoir des yeux partout ici. Il y a un coin de rue full serré là-bas, je vais vous montrer ça, là. C'est vraiment serré, là. Faudra que je tourne là, là, ben, ça va être à ma sortie, là. Ah, ma sortie est dans 800 mètres. Ici, c'est quelque chose. Ça doit être une putain de vitesse. Ah, pourquoi il neige, là? Tu sais, il y a des vents de 90 km/h, puis là, en plus, il y a de la maudite neige. Là, en plus, il y a de la neige qui se rajoute à ça. Là, il faut que je watch les chars qu'il y a à côté. Alors, lui, il me laisse passer. Notre droite. Puis c'était ça. C'était pas si pire que ça. Parce que là, les gens me laissaient de l'espace. Ce qui est rare.
Mais bon, c'est ça. Là, je vais aller porter mon conteneur chez le client. On se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça a été long. Je suis resté genre, vous savez, là, juste avant la coupure, là, ben de tout ça, ça fait quasiment 2 heures. Je suis resté pogné dans la glace, dans la cour. Après ça, je me suis piné après un premier trailer. Puis là, au moment où il fallait que je branche mes fils, ben là, je sais pas pourquoi, là, les fils étaient brisés, ça remorque, je sais pas quoi, mais ça voulait pas rentrer. Donc là, j'ai changé de trailer, bien, là, hey, ça a été long. Mais bon, je suis sain et sauf. C'est ça l'important. Mais là, je vais pas parler trop vite parce que là, je suis vide. Puis on va retourner ça à 10 avec les espèces de vents de fou. J'aime vraiment le métier pour vrai. J'aime pas mal mieux ça qu'être en train de faire de la philo ou faire des maths assis sur une chaise. Là. Mais c'est pas toujours drôle comme métier, par exemple. T'sais. C'est juste ma première semaine, puis j'ai dû péter au moins 10 coches. Là. T'sais, juste à l'heure, là, crème, j'étais pas content. Là, tout en pogné. Sinon, j'espère que vous appréciez bien ce premier épisode. En fait, c'est pas ce premier, c'est genre le troisième ou le quatrième. Là, mais je parle. Là, je suis plus à l'école, je suis vraiment dans le vrai monde. Parce que là, je vais être obligé bientôt d'arrêter parce que j'ai plus de batterie sur cette caméra-là, quasiment. Celle-là, c'est vraiment faite pour filmer longtemps, mais celle-là, là, elle n'est pas faite pour filmer longtemps, même comme une dashcam. Là, c'est pas trop pire à la date, c'est pas des bouchons encore, mais c'est parce qu'il est juste 2h30 de l'après-midi. Ouais, 2h30. Hier, j'étais ici à 3h, puis c'était bouché. Puis avant-hier, j'étais ici à 4h, puis c'était bouché encore plus. Mais ce que je suis vraiment content, c'est parce que moi, naturellement, depuis que je suis jeune, je suis un gars pas très très autonome, mais je suis toujours fait full aider et tout. Puis là, ça m'apprend, puis je suis pas mal plus autonome. C'est ça, juste à l'heure, quand j'étais pris, il fallait que je mette un crochet en avant pour me... Il y avait un gars qui est venu, un gars qui travaille dans la cour, pour me déprendre. Mais moi, je savais pas comment faire, genre pour qu'il accroche son crochet et tout après mon camion. Il y a une certaine procédure. Donc, j'ai appelé un de mes... C'est un de mes collègues, puis là, lui, il m'a expliqué au téléphone comment faire. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ça que je veux dire quand même. Je me débrouille à appeler les gens quand j'ai un problème, puis, tu sais, je suis capable de faire mes affaires, là, puis je suis vraiment content. C'est beau les murs ici, hein. Vraiment beau. Hey, on est chanceux, là, nous autres, c'est assez fluide la circulation ici, puis l'autre bord où j'étais tout à l'heure, c'était couché. Mais bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ce Trucker Vlog, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si vous avez des commentaires et tout, n'hésitez pas. Je vais souhaiter que je ne meure pas avec les rafales de vent. Juste là, je me fais vraiment brasser. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Dernière affaire, même l'hiver, on est pogné avec des cyclistes. Hey, voyons. C'est ridicule. Tu trouves pas ça dangereux un peu? Je trouve ça un petit peu dangereux. En plus, ça a l'air d'être des élèves.